Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer une autrice BD, Claire Bouillac, qui est ici avec nous. Bonjour Claire. Bonjour Rachel. Alors j'aimerais te poser quelques questions qu'avaient notamment des élèves de Flamme San Diego et également les élèves sur YouTube même. Et en fait, la première question, ce serait, est-ce que déjà tu peux te présenter et présenter un petit peu ton parcours, notamment dans ce que tu fais? Alors, je fais plusieurs bandes dessinées. Je travaille vraiment dans la tradition franco-belge. J'ai commencé il y a déjà pas mal de temps en parallèle d'un travail plus régulier, d'un travail dans l'illustration et de travaux différents. Je faisais de la bande dessinée en parallèle. J'ai commencé par Francis Le Blaireau aux éditions Cornelius. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai de plus en plus donné du temps à la bande dessinée. J'ai pu participer au magazine Fluide Glacial, où je continue à travailler parfois. Et à partir de là, à partir à peu près de 2005, j'ai complètement cessé tout autre travail à côté et je ne fais plus que de la bande dessinée. Je travaille soit en tant que scénariste, mais plus fréquemment en tant qu'autrice complète, à savoir scénario et dessin. Parfois, je travaille avec un scénariste, Jacques Rénal pour Francis, par exemple. Et je travaille beaucoup avec Katel Muller, avec qui nous faisons des albums à quatre mains. En particulier depuis deux albums, des adaptations d'œuvres littéraires françaises. Et actuellement, je suis en train de faire mon premier album complètement seul, où je fais le scénario, le dessin et la couleur, chez Casterman. Ah, excellent, très très bien. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous décrire une journée typique, par exemple, quand tu te lances dans la BD, c'est quoi une journée typique? Est-ce que ça change tout le temps ou est-ce que tu as une façon un peu de faire les choses? Alors, dans la mesure où je travaille chez moi et qu'en plus, je suis parisienne, donc je n'ai pas un très, très grand logement. J'ai donc mon lit qui est vraiment pas loin de ma pièce de travail. Il faut que je sois très régulière. En plus, j'ai des enfants et puis voilà. Donc, il faut quand même une grande rigueur pour travailler chez soi, pour ne pas se dire tout à coup qu'on a une lessive à faire ou qu'il faut qu'on fasse quelque chose d'autre dans la maison. Et moi, j'ai besoin d'un petit peu un rituel. Donc, j'essaye d'être quand même au maximum dans des journées qui commencent plus ou moins à 9h et puis après qui peuvent finir tard si besoin. Mais j'essaie de ne pas trop travailler quand je peux après le dîner. Bon, ça c'est quand je peux. Par contre, je travaille tous les jours. Je travaille régulièrement le week-end. De toute façon, à partir du moment où on a ce genre de travail, c'est pas quelque chose où on peut s'arrêter parce qu'on sort du bureau. On continue à y penser tout le temps, en particulier le scénario, mais tout après. Moi, il m'arrive même de me réveiller et de me dire, bah tiens, c'est cette couleur-là qu'il faut que je mette, c'est ce dessin-là qu'il faut que je fasse aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il y a des jours où on passe sa journée complète assise à sa table et que le soir, on a quand même fait que des choses qui ne valent pas le coup. Et ça rend d'une humeur de dog. C'est épouvantable. On est de très, très mauvaise humeur après ça. Et il faut que la famille le comprenne. Mais j'ai vraiment un rituel quotidien. Chaque jour, j'essaie de travailler sur tel ou tel projet puisque j'en ai toujours plusieurs en parallèle. Justement, ça enchaîne avec la prochaine question que j'avais, c'était comment te viennent justement les idées? Est-ce que c'est des trucs que tu vis, des trucs auxquels tu penses? Comment te viennent toutes ces idées? Alors, pour ce qui est de Francis Le Blaireau, je travaille avec un scénariste, donc c'est vraiment lui qui a les idées au départ, mais on avait créé le personnage ensemble, donc il y a tout un univers qui existe déjà, ce sont des histoires courtes, donc lui, il crée ses petites histoires à chaque fois, puisque ce sont des histoires sur une page. Bon, voilà, il a ses idées qui viennent, au bout d'un moment, on détermine un thème pour l'album, et puis on va faire des albums comme ça. Pour ce qui est des autres albums, ceux que je fais avec Katel Muller en particulier, au départ, on avait commencé à travailler ensemble sur des projets divers, mais c'est souvent des histoires de rencontres. Le premier album qu'on avait fait ensemble, c'était avec une rencontre avec une historienne, Emmanuelle Pollack, et on avait fait un livre sur
Rose Valland, qui était une résistante, et on avait rencontré cette femme qui portait cette histoire, et on avait eu envie de faire une bande dessinée avec elle. Ensuite, on a rencontré Mylène de Mongeau, qui est une actrice française qui est très, très reconnue, qui était vraiment la rivale de Brigitte Bardot dans les années 50, et qui a une histoire extraordinaire, qui avait écrit l'histoire de sa mère, qui a eu aussi une vie très rocambolesque. Et donc, on a eu envie de faire cet album. Et donc, c'est là que c'est venu. Et ensuite, petit à petit, quand on a eu fait l'histoire de Mylène de Mongeau, on s'est dit, on a commencé à trouver une voie dans laquelle on voulait s'engager, à savoir parler d'une autrice, d'une écrivaine et de son héroïne, et donc des histoires, des figures féminines. Cattel fait déjà de son côté travaille beaucoup sur les figures historiques qui sont féminines, qui sont un petit peu passées sous les radars de l'histoire, et donc les figures féminines nous intéressent toutes les deux, on s'est retrouvés là-dessus. Donc ensuite, on est allé tout naturellement vers l'adaptation littéraire. On a fait l'adaptation de La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Et actuellement, on travaille sur l'adaptation d'Indiana de George Sand. Et puis forcément, après, on a plein d'envies. On a vraiment beaucoup d'idées sur les autres qui pourront suivre. Et quant à moi, quand je travaille pour ma part toute seule, comme je le fais là, ou comme quand je fais des histoires courtes pour Fluide Glacial, par exemple, ou pour Spirou, qui sont des magazines de bande dessinée française, les deux qui restent, en gros, enfin, il y en a quelques autres, mais c'est les deux magazines franco-belges de bande dessinée pour lesquels je travaille. Là, je recherche, il y a souvent des thèmes, pour Fluide Glacial, ils me donnent un thème, et puis je vais essayer autour de ça de voir de quoi j'ai envie de parler, et puis ça se construit comme un puzzle un petit peu comme un entonnoir, parce que j'ai plein d'idées au départ, et puis au fur et à mesure ça se rétrécit, puis ça va au plus précis, et puis ça va jusqu'à l'histoire. C'est super, c'est vraiment génial. J'ai une dernière petite question pour Claire, des petites astuces peut-être qu'elle peut vous donner, mais avant ça n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et un petit like pour les vidéos, merci. Alors Claire, du coup, est-ce que, donc nous, à Flamme San Diego, par exemple, nos élèves ont participé à un concours BD, et les enseignantes voulaient savoir si tu aurais justement des petites astuces à partager pour que ce soit un enfant ou même un adulte qui se lance à faire une planche BD, peut-être une petite astuce que tu aurais à partager. Alors, moi, quand je fais de la bande dessinée, je commence à... Je fais un peu le scénario par écrit, mais aussi un petit peu dessiné. Et je commence à dessiner en petit, à faire des petits roughs, ce qu'on appelle des thumbnails dans le comics, en fait. Je fais ma planche en petit. Et après, ça me permet de bien composer ma page, de voir ce qui fonctionne. Et puis éventuellement, si j'ai plusieurs pages, voire tout un album, je le fais complètement comme ça. Et comme ça, je vois si la narration tient la route, je vois si les pages tiennent la route. Et je relis tout, et ça me permet de voir si tout fonctionne et si on comprend bien. Ah, excellent. Et est-ce qu'il y a des petites astuces par rapport à l'écriture ou par rapport au choix de couleurs ou que tu pourrais conseiller ? Alors, les choix de couleurs, c'est un petit peu... Chacun a un peu sa gamme. Moi, je travaille quasiment uniquement sur Photoshop pour faire des couleurs. Donc, c'est numérique et j'aime bien faire des aplats. Mais il y a plein de possibilités et il ne faut pas hésiter à se lancer avec tout ce qui est possible. Vraiment, pour ce qui est de la couleur, moi, je travaille beaucoup en traditionnel. Je travaille au pinceau, pinceau, feutre, pour tout ce qui est dessin. Il n'y a que la couleur que je fais sur ordinateur. Donc, les conseils, c'est vraiment essayer des choses, essayer des encres, essayer des crayons de couleur, essayer des feutres, faites-vous plaisir. La vraie idée de ce travail, je trouve, c'est d'avoir des images qui se font plaisir. Moi, je considère toujours que ma page est réussie quand le lendemain matin, je la regarde et que j'ai du plaisir à la voir. Et le plaisir qu'on a à avoir un dessin qu'on considère réussi, je crois que c'est pour ça qu'on fait ce travail. Excellent.
Donc, j'ai bien retenu le conseil. J'espère que vous avez retenu le conseil également. Essayez. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez vouloir regarder cette prochaine vidéo avec la comédienne française Lydia Mirjane, qui vous fera découvrir également son métier. Merci beaucoup, Claire, et à bientôt, tout le monde. Merci, au revoir.